Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans tout. On était avec la fille en train de chercher le troisième fragment et on était face à une énigme un peu compliquée qu'on va tout de suite s'empresser de résoudre. Donc, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, je pense qu'on va tout simplement essayer de prendre un indice. Faire fondre la glace, calmer le mammouth et atteindre l'étage inférieur. Il faut calmer là le mammouth. De toute façon, on n'a pas fait fondre la glace. Et voilà. Par contre, fait fondre la glace. Se pourrait-il que, sans prendre d'indice, il nous faut tout simplement mettre le feu ici. Sur ces petits bras zéro. Ok, on veut bien le réutiliser, donc c'est peut-être juste ça. Et on verra à quoi nous servent ces personnages. Ok, donc il s'est débarrassé de la torche. Et il se passe absolument rien de plus. Donc j'imagine qu'il faut bien qu'il chante en plus. Est-ce que ça fait changer quelque chose sur le feu, sur... Ça n'a pas l'air de changer grand chose sur le feu. On va donc j'allais faire taire et prendre l'indice comme prévu. On recommence. Ok, donc on a bien eux, on a bien la torche, on a bien allumé les trois. Par contre, 3, 3, 3, 3, 3. Et ici, 2, 2, 2, 2, 2. Que sont ces trois et que sont ces deux? Encore. Mais encore, parce que là... je pense pas que le mammouth s'est calmé, là. Parce que ça n'a rien changé, donc... Oui, il nous dit toujours qu'il a fait un cauchemar. Et que du coup il peut pas se détendre. Faudrait que je comprenne le conseil en fait déjà. Parce qu'on a récupéré la torche, on a allumé les bras zéro, mais il y a ces personnages là. C'est marqué 3, 3, 3, 3. Faut que je clique 3 fois sur chacun d'eux. Une fois, deux fois, trois fois, une fois, deux fois, trois fois, une fois,
deux fois, trois fois, une fois, deux fois, trois fois, une fois, deux fois, trois fois. Ça change un peu rien. Ouais, là, même avec le conseil, je comprends pas le concept. C'est vraiment que des 3 à chaque fois. Et puis du coup, on sait que sans cette manivelle, on pourra pas faire l'étape suivante. Qui elle a l'air pour le coup un peu plus simple. Mais voilà, je suis allé voir aussi pour voir si ça l'irritait un peu. 3. Ils ont l'air d'avoir un rythme en fait, effectivement. Genre là, il est très excité. Là, il s'était. Et là. Ok, je vais tous les faire sortir. Donc. Ok, il fallait les rendre tous excités. Ok, ce qui a libéré cette créature-là. Et du coup, j'imagine que si on les remet sur un rythme... plus doux, on a peut-être une chance d'endormir notre mammouth. Et on a réussi à endormir notre mammouth. Oui. On va donc pouvoir récupérer cette petite manivelle. On redescend. Donc ici c'était vraiment que du décor, hein, ces petits talismans qui flottaient dans les airs. Et donc, on va donc... Ah bah du coup, lui est arrivé là. Oui, bah oui, forcément, il nous faut notre ami Cubus. Et d'abord, on va parler
Voilà. Excuse-moi, mais pourrais-tu m'aider à descendre, s'il te plaît? Rien ne me ferait plus plaisir, mais je n'ai pas de manivelle. Eh bien, je t'en donne une. Et donc, je me transforme en Cubus. Et je sais pas dans quel ordre. Il faut y aller, même si ça ressemble un peu au loup, à la chèvre et à Saad. Mais je sais jamais dans quel ordre il faut aller chercher ces trucs-là. Ok, donc j'ai pas pris le bon, parce que le seul endroit où je peux le poser, c'est le premier. Donc on n'est pas sur le loup, la chèvre et la salade. Mais bien sûr, je te prends dans l'ordre où je peux te poser. On va prier pour que notre loup mange pas notre chèvre. Enfin, notre chèvre. Notre lapin avec des grandes oreilles. Ah bah si, je me disais bien quand même. C'est bien à ça que ça ressemblait. Sauf que du coup, je peux pas te poser. Enfin, pas te poser au bon endroit. On va peut-être pouvoir s'en sortir quand même. Si je te pose. On remonte. Je viens chercher le navet. Je redescends. Je peux pas te poser. Pourquoi ne puis-je point te poser? Quelle est cette astuce? Quelle est cette astuce? Si je redescends encore. Est-ce que je peux faire des choses avec ces choses-là? Peut-être pas en tant que Cubus, mais peut-être en tant que la fille. Je vais donc reposer mon navet. Alors, ici. Oui, je peux pas. Et si je me transforme, est-ce que je peux te prendre ici et te reposer à côté? Je peux pas. Ok. Et ici, on a dit qu'on revenait à la fille pour essayer ces choses-là. Ah oui! Il y a des... J'avais pas vu. Il y a des... Il y avait des... Un grillage qui nous empêchait de le faire. Ok. Non. Je vais pas aller voir ça pour l'instant. Donc on vient venir ici. Ce qui explique que Cubus pouvait pas mettre notre chèvre au bon endroit. Hop. Et tu nous la poses. On remonte, on va chercher le chou, enfin le navet ici. On descend. Je pose le chou, je récupère la chèvre. Pour que ma chèvre ne mange pas mon chou. Je repose ma chèvre. Et j'emmène mon loup. Pas qu'il mange ma chèvre.
poser notre loup ici. Je sais pas ce qu'on va devoir poser ici hein, avec le symbole. Hein. Peut-être tout simplement nous, hein, vu que ça a une tronche de cubus. Hein. Et on récupère la chèvre. Qu'on va pouvoir mettre ici. On a même pas besoin de mettre cubus au bout. Et ça nous a ouvert du coup le passage. Voilà. Vous allez pouvoir vous becter sans souci. Eh ben non, du coup ça remet des. Ça remet des portes. C'est magique. Ok, elle peut pas. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'elle pouvait y aller sans y aller. Donc comment j'y vais? Je peux y aller comme ça? Ouais, je peux y aller comme ça. Je se traverse. Ah, on a une créature encapuchonnée. Ça n'a pas l'air d'être notre créature maléfique. Et on a surtout le gardien qui continue à s'enfuir. Et je sens qu'on va se prendre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Première étape faite. Est-ce que je peux faire des choses ici? N'oublie pas de cliquer sur les insectes pour les mettre dans notre collection. Je peux grimper ici. Je peux continuer à grimper. Mais visiblement avec un symbole de feu et j'ai plus de... Ah, de toute façon, je peux pas grimper plus. Donc, là, comme ça, je vois pas l'intérêt. On va donc aller par là. Alors, où est-ce que ça nous amène? En haut. Ça nous amène en haut. On peut également grimper sur les statues. Pas beaucoup plus. Il ne veut pas interagir avec ça. Ok. C'est pas très probant et on peut pas aller à la créature en capuchonnée comme ça. On peut rien faire ici et bien évidemment là ça ne veut pas de nous. Bah oui. Il y a aussi ce symbole là, là. Est-ce que ça change la direction d'ici? Non. Alors j'ai quoi d'autre? Ouais, doit probablement falloir tourner les trois cubes. Sauf que ici j'arrivais pas à grimper. Alors j'ai pas bien regardé. Alors ce qu'on peut faire. Non, c'est bien ça. Faut pas grimper plus. Je peux descendre, mais je peux pas grimper plus. Et pour l'instant, je ne vois pas comment aller à cette créature.
contre, ici, elle voulait pas y toucher. J'étais pourtant... Non, il n'y a pas le symbole pour grimper. Et elle veut pas y toucher. Certes, mais encore... Ça, on peut pas y interagir. Ah oui, oui, je vais pouvoir faire ça, effectivement. Je vais pouvoir m'appeler Cubus et récupérer. Ah, on a un symbole. Et j'aime assez ça, parce que ici, on a un symbole de l'espèce de tête de loup qu'on a découvert ici. Et ici, on a un symbole de bateau. On va peut-être... tout simplement trouver les deux symboles. Alors, un bateau, ça me paraît pas mal. Sauf que ça m'aide toujours pas à aller par là. Mais peut-être que Cubus... Ah non, Cubus veut pas les récupérer. Cubus ne veut pas les récupérer. Bah comment je grimpe? Bah oui, comment je grimpe? Et comment je descends aussi, hein, parce que... Aller voir cette créature sera peut-être une chose à faire. D'ailleurs, je vais peut-être redescendre et voir ce que Cubus peut faire. Parce que Cubus peut peut-être faire quelque chose. Viens à un endroit où je peux te transformer. Cubus peut pas grimper, hein, c'est logique. Et ici, j'arrive pas à aller assez haut. Mais du coup, j'imagine que le but n'est pas forcément d'aller assez haut. Le but est peut-être d'aller du côté de cette créature pour pouvoir faire apparaître le symbole qui nous manque. Sauf que du coup, je vois pas comment on descend. Est-ce que je peux pas descendre ici? Je peux pas. J'ai pas de chemin à droite ou à gauche. Oui. Ah! Tout simplement se faire taper par le bidule. Oui. Je me rappelle quand tu étais petite. Et que d'étranges phénomènes ont commencé à se produire. Quelque chose est tombé du ciel. Après quoi, les mécanismes ont pullulé et occupé ta contrée. Quelque chose est tombé du ciel... Je m'attendais pas vraiment à... Ah, si, je vais pouvoir faire tomber ça du ciel. Ok, donc pas de chance. Comment je remonte? Comment je remonte du coup? Ok. Donc, on va essayer de pas se faire taper. On a dû louper quelque chose. Alors, ici, est-ce qu'on a une tête d'élan? Je crois pas. Hein. Je peux pas m'en souvenir. Non. Donc, on a peut-être un feu par ici. Quoique non. Ça change rien. C'est-à-dire qu'il faut que je grimpe quand même là-bas, en fait. Oui, je suis en train de me dire non, non, ça veut rien dire. Ça veut juste dire qu'il faut que je grimpe ici. Puisque le symbole est pas un symbole de feu. Que j'ai
Pas moyen en fait, si j'ai trois symboles là. Ah, ici elle veut bien grimper là. Mais c'est tout. Et je vois pas spécialement de moyen de faire apparaître d'autres trucs pour qu'elle puisse grimper. Hein. J'imagine que c'est le principe, hein, de faire apparaître du coup d'autres trucs. Comme on a pu jouer avec les stalactites ici. Comment je m'en sors? On va aller vérifier, mais je pense pas qu'il y ait... Qu'est-ce qu'il faut? Alors, je peux pas récupérer les cornes ici. Ça aurait été intéressant, mais je peux pas. Et donc ici... On a donc bien uniquement le bateau qui nous intéresse. Les petites cloches ont l'air de pas servir à grand chose. Ouais. Je pense qu'il nous faut tout simplement quelque chose à caler dans ces trois trous. Pour y arriver, c'est visiblement pas les cornes des élans. J'imagine que Cubus. Mais tu peux rien faire là-dessus. Ouais, non, tu. Tu tombes et c'est tout. Et. Il n'y a pas d'autres stalactites. Stalactité. Sachant que j'en ai une, du coup, dans mon inventaire, en fait, je n'avais pas forcément fait gaffe. Elle va pas là. Ah, je peux peut-être pas la mettre parce que je suis trop loin, c'est ça? Enfin, une, ça m'arrangera pas. Hein. Une seule, c'est pas suffisant. J'imagine que je veux pas m'amuser à la lancer dessus. Oui, voilà. Et voilà, je peux pas récupérer celle-là. Tu m'en fous bien deux autres. Ah oui, sachant que du coup, effectivement, j'ai l'air de pouvoir... J'avais une main tout de suite. Je pense qu'il nous faut Cubus, hein. Il nous faut la force de Cubus pour récupérer des stalactites. Que si je grimpe un peu. Ouais, je vois pas comment les récupérer. Puis j'imagine que si je grimpe ici, ce qui me ferait prendre de la hauteur.
J'ai pas forcément la latitude pour attraper celle-là. Là, comme ça, je vois pas comment. Comment? Comment récupérer ces stalactites? Je peux grimper jusqu'ici, mais je suis pas sûr que ça change grand-chose pour nos stalactites. Même en étant cubus. Après, le monsieur nous a dit quelque chose est tombé du ciel. Des mécanismes. Mais je vois quand même pas comment Cubus va nous aider à faire ça. Mais il y a peut-être deux sens cachés aux énigmes, hein. Peut-être qu'on a deux choses à faire avec. En tout cas, on verra ça lors du prochain épisode. On verra comment se sortir de cette énigme et trouver les stalagmites qui nous manquent. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et je vous dis bye bye!